Salut les rebelles intelligents, aujourd'hui c'est décidé, j'arrête l'alcool. En tout cas au moins pour 30 jours. Et pourquoi je fais ça? Pour 3 raisons. La première, c'est que ça fait toujours plaisir de se lancer dans un défi 30 jours qui nous challenge. La deuxième, c'est que quand on décide d'arrêter l'alcool pendant un certain temps, non seulement eh bien, on doit lutter contre notre propre addiction, mais on doit aussi lutter souvent contre la pression sociale. Donc, c'est un double effet qui se coule, c'est extrêmement intéressant. Mais honnêtement, la principale raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est que je trouve que récemment, je picole vraiment pas mal. Et j'aime bien boire avec des amis, dans des soirées, etc. Mais je me méfie aussi parce que je sais qu'il y a des tas de choses comme ça dans la vie où en fait ça peut être devenir addictif de manière extrêmement insidieuse. Et le problème, c'est que parfois quand on se rend compte qu'on est vraiment addict, bah, il est trop tard. Ça s'est fait tellement graduellement qu'on s'est pas rendu compte qu'on est devenu complètement junkie. Alors je te rassure, je suis pas en train de te dire que je suis devenu alcoolique, mais j'ai vu les ravages que peut faire l'alcoolisme et donc du coup ça m'a rendu extrêmement méfiant. Mon père a eu un énorme problème avec l'alcool pendant des années. Aujourd'hui, ça fait quelque chose comme 15 ans qu'il n'a pas touché une goutte d'alcool. Et vraiment, chapeau à lui parce que ça lui a demandé un effort de volonté immense. Et du coup, ça rejoint cette histoire que je partageais avec toi dans une vidéo précédente. Je te partageais cette histoire d'un homme qui est au fond d'un gouffre et qui est là depuis des jours, qui est en train de mourir de soif, de faim. Il est en train de ramper par terre avec ses dernières forces. Et là, juste avant de mourir, il dit « Mais Dieu, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné la force de sortir de ce gouffre ?» Et il y a Dieu qui lui répond « Mais je t'ai donné la force de ne pas y tomber. » Et ça, personnellement, je trouve que c'est une histoire extrêmement inspirante. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a souvent la force de ne pas tomber dans des addictions avant qu'elles deviennent trop fortes pour nous. Et comme j'ai vu l'exemple de mon père, je suis extrêmement vigilant par rapport à l'alcool, mais aussi par rapport à d'autres choses. Comme je trouve que l'alcool à dose modérée, c'est quelque chose de sympa qui aide à égayer un moment et qu'on partage quelque chose avec les gens, et même que parfois se prendre une bonne cuite avec des amis, ça fait du bien, j'ai mis en place un système qui me permet de bénéficier des avantages de l'alcool en minimisant mon risque de devenir addict. Et ce système est ultra simple. La première règle déjà, c'est que je ne bois jamais tout seul. Sauf pour un verre de vin rouge par jour. Pourquoi un verre de vin rouge? Parce qu'il y a des tas d'études qui montrent que boire 1 à 2 verres de vin rouge par jour, c'est bon pour la santé, notamment c'est bon pour le cœur. C'est au cœur de ce qu'on appelle le French paradox. Pourquoi les Français, ils mangent plein de fromage, mais ils ont quand même une bonne espérance de vie, surtout dans le sud. Et la deuxième règle, c'est que de temps en temps, je me lance dans un défi 30 jours sans alcool pour tester ma volonté, pour voir si je suis devenu addict et aussi, ben voilà, encore une fois, comme exercice intéressant. Parce que, encore une fois, si vous tentez l'expérience, vous verrez qu'au-delà du fait que ben, vous devez arrêter d'avoir le réflexe de boire si vous avez déjà ce réflexe, vous allez aussi devoir apprendre à résister à la pression sociale parce qu'il y a plein de gens autour de vous et ce sont des gens bien intentionnés hein, qui ont juste qui vont vous dire ça un petit peu par réflexe aussi parce qu'ils ont envie que vous vous amusez. Ils vont vous dire « Ah, mais pourquoi tu bois pas? Vas-y, prends un verre, allez, fais-toi plaisir, etc. etc. » Et c'est pas forcément facile de résister à ça et c'est super, super, super instructif justement de résister. Quand je me suis lancé dans ce défi-là, ça n'a pas loupé. Dès le premier soir, la personne à qui je mangeais au restaurant a essayé de me mettre la pression. Alors, je l'avais expliqué juste avant en me disant « Allez, vas-y, on prend au moins une coupe de champagne ou un verre de vin ou tu pourras commencer demain, etc. » Et je suis très heureux de vous dire que j'ai été ferme et que j'ai réussi à résister à la tentation. En plus, faire un challenge comme ça, ça permet de découvrir un truc incroyable. On peut s'amuser sans alcool. Si. Donc là, j'ai commencé il y a 3 jours. Je te ferai un bilan dans 27 jours pour te dire comment ça s'est passé. Pour l'instant, ça a été extrêmement facile pour moi, non seulement de résister à la tentation interne, mais aussi à la pression extérieure. Donc maintenant, je te rappelle qu'on est sur la chaîne des gens qui se bougent, pas sur la chaîne des gens qui font semblant de se bouger en regardant des vidéos pour se donner bonne conscience. Donc ce que je vais te demander de faire, c'est pas forcément de faire un défi 30 jours sans alcool, mais de faire un défi 30 jours sans quelque chose qui commence à être une addiction pour toi ou dont tu te dis « Ah, peut-être que je devrais me méfier ». Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être de faire trop de jeux vidéo. Ça peut être de trop regarder de vidéos YouTube. Ça peut être de trop manger de bonbons. Tu choisis, s'il te plaît, un truc où tu te dis « Ah ouais, peut-être que je deviens trop addict » et tu fais 30 jours sans. Et partage-le avec nous, s'il te plaît, dans les commentaires. Ça sera très intéressant de voir un petit peu les défis de tout le monde. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre « Zen et heureux » qui te donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans ta vie. Pour le recevoir, tu cliques sur la petite vignette qui apparaît là. Va aussi voir cette vidéo complémentaire sur mon point de vue sur la dépression et comment l'éviter.
Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne et louper aucune des prochaines vidéos. Je te dis à demain pour la prochaine. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent, fais-toi un petit défi de temps en temps pour lutter contre les addictions et fais partie des gens qui se bougent.